Sensation de brûlure aux pieds 5 remèdes naturels. La sensation de brûlure aux pieds est un symptôme désagréable qui, généralement, vient accompagner de fourmillements et d'une sensation de douleur. Cela vous arrive fréquemment Découvrez ici quelques remèdes naturels efficaces pour soulager ce symptôme. La sensation de brûlure aux pieds est un symptôme commun des lésions qui affectent les nerfs des jambes et des pieds. Généralement, ce symptôme affecte les patients qui souffrent de neuropathie diabétique. Mais ce symptôme peut aussi indiquer une carence nutritionnelle, une surcharge musculaire ou encore une infection, entre autres. Selon la cause sous-jacente, le désagrément peut être léger ou sévère. Et d'autres symptômes peuvent accompagner la sensation de brûlure au pied, des fourmillements, un engourdissement ou encore une inflammation, entre autres. Fort heureusement, il est possible de soulager ces symptômes désagréables grâce à des solutions d'origine naturelle qui apportent immédiatement une sensation de soulagement. Nous vous proposons ici 5 remèdes naturels. À l'heure de les tester, il est important de prendre en considération la cause à l'origine du problème. Les préparations naturelles agissent comme des tranquillisants, mais parfois d'autres traitements sont requis. Si la sensation de brûlure au pied est liée à la neuropathie diabétique, à une infection ou à une maladie qui affecte les nerfs, consultez un médecin. En revanche, si le désagrément est la conséquence d'une surcharge musculaire, de stress ou du port de chaussures inappropriées, vous pouvez tester les alternatives naturelles sans problème. Prenez des notes. 1. Le sel d'Epsom. Le sel d'Epsom est l'un des remèdes naturels les plus utilisés pour détendre la musculature des pieds. Les bains au sel d'Epsom constituent une thérapie naturelle pour soulager les douleurs et les sensations de brûlure aux pieds. Grâce à son effet relaxant, cette thérapie est idéale pour soulager le mal-être causé par des problèmes nerveux, musculaires et circulatoires. Ce que vous devez faire tout d'abord, ajouter une demi-tasse de sel d'Epsom dans une bassine d'eau chaude. Ensuite, faites tremper vos pieds de 15 à 20 minutes. Attention, avant de plonger vos pieds dans la bassine, assurez-vous que la température est supportable pour la peau. 2. L'huile d'olive. Les massages à l'huile d'olive se démarquent dans la liste des remèdes naturels pour soulager les symptômes désagréables aux pieds. Bien que l'huile d'olive soit un produit habituellement utilisé à des fins culinaires, cette huile possède également des bienfaits thérapeutiques. Une application externe peut détendre les muscles. Elle aide également à combattre les gonflements et les fourmillements. Ce que vous devez faire tout d'abord, faites chauffer deux cuillères à soule d'huile d'olive à une température appropriée pour appliquer sur la peau. Ensuite, appliquez l'huile sur vos pieds et massez-vous les pieds. Effectuez de doux mouvements circulaires. Faites cela pendant 10 minutes, puis reposez-vous. Si vous le souhaitez, Faites cela tous les soirs avant d'aller vous coucher. 3. Le thym. Que ce soit via ses huiles essentielles ou via la plante même, sachez que le thym a des effets anti-inflammatoires bénéfiques. Il peut donc soulager la sensation de brûlure au pied. Le thym contient du thymolol, une substance dont l'action diminue les douleurs au niveau des articulations, les fourmillements et les inflammations. Si vous souffrez d'une sensation de brûlure au pied, N'hésitez pas à utiliser de l'huile essentielle de thym pour compléter un éventuel traitement. Ce que vous devez faire tout d'abord, dans une casserole d'eau bouillante, ajoutez du thym frais. Ensuite, placez un couvercle sur la casserole et laissez reposer jusqu'à ce que le liquide soit à une température supportable pour la peau. Il est maintenant temps de verser le liquide dans une bassine d'eau. Une fois que c'est fait, faites tremper pied pendant une vingtaine de minutes. Si vous le souhaitez, ajoutez quelques gouttes d'huile essentielle de thym, nous vous conseillons d'en ajouter 5, et massez-vous les pieds. 4. L'huile essentielle de lin. Grâce à ses teneurs significatives en acide gras oméga-3 et en antioxydants, l'huile essentielle de lin a vite été considérée comme une huile thérapeutique. Une application topique d'huile essentielle de lin régule l'activité du système nerveux, améliore le flux sanguin et réduit l'inflammation. Ce que vous devez faire tout d'abord, versez une cuillère à soupe d'huile essentielle de lin sur les paumes de vos mains. Ensuite, frottez-vous les mains, puis massez-vous les pieds pendant une dizaine de minutes. Il est maintenant temps de vous reposer. 5. L'alternance eau froide et eau chaude. Nous finissons cette liste de remèdes naturels pour soulager la sensation de brûlure aux pieds avec une alternative basique et accessible à tous l'alternance eau froide et eau chaude. Les changements thermiques aident à contracter et à détendre les muscles, favorisant ainsi un meilleur repos. Cette thérapie simple fait du bien aux muscles, aux tendons et aux nerfs après la pratique d'une activité sportive ou d'une activité quelconque fortement intense. Ce que vous devez faire lorsque vous ressentez une sensation de brûlure aux pieds, faites tremper vos pieds dans une bassine d'eau chaude. Patientez 3 minutes. Une fois le laps de temps indiqué écoulé, faites tremper vos pieds dans une bassine d'eau froide. Renouvelez ces deux actions deux ou trois fois d'affilée jusqu'à soulagement. Le recours à ces remèdes naturels contre les sensations de brûlure et autres symptômes désagréables au niveau des pieds ont déjà fait leur preuve. Généralement, ces remèdes suffisent. Néanmoins, si les symptômes persistent ou s'aggravent, il est préférable que vous consultiez un médecin le plus rapidement possible, notamment si vous présentez d'autres symptômes. Ces autres symptômes peuvent être des ulcères, des blessures ouvertes, une sensation de brûlure intense, une sensation de brûlure qui s'étend à la jambe, une plus grande sensibilité au niveau des doigts.